Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita dans des nouvelles ça qui entre à Caillou. Moi, c'est Met Info, quel que soit votre branché. On dit bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions nouvelles Paola. Gros point qui a dominé l'actualité, déblousaille pété dans pouvoir Ariel Henry à côté. Eh bien, gagné trois gros bois dans le pouvoir qui tape taclé dans le dossier Jovenel Moïse là, assassinat Jovenel Moïse là. Eh bien, monsieur Ariel Henry, li obligé, premier ministre, li obligé passer à l'action, li révoquer ministre justice et sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, li révoquer commissaire gouvernement AI Port-au-Prince là, Maître Bedford Claude, et puis li révoquer secrétaire général conseil ministre Renal Libéris. Donc, malgré toute révocation, ça y est, eh bien, deux messieurs, yo, eh bien, mini justice là, avec commissaire gouvernement AI Port-au-Prince là, eh bien, ils mettaient tête ensemble, M. Bedford Claude, eh bien, ils mettaient interdiction départ contre le Premier ministre Ariel Henry, côté Omandé, donc, directeur général, mettait immigration et émigration d'Haïti. Joseph Tchanchouli pour empêcher le Premier ministre de quitter le pays par bateau, par avion ou bien par frontière terrestre. Le commissaire gouvernement, eh bien, en plus de ça, lui demandé pour eh bien, juge Gary Aurélien qui a instruit le dossier et assassinat Jovenel Moïse là, eh bien, pour que juge Gary Aurélien, eh bien, mandé, disons, pour impliquer le Premier ministre Ariel Henry dans le cadre assassinat Jovenel Moïse là. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents de rejoindre pour nous présenter aux éditions nouvelle ça, nous préparer pour Jean nous annoncer au lit gros la guerre pété dans pouvoir Ariel Henry a, malgré Ariel Henry les révoquer eh bien trois gros bois nan pouvoir là cap eh ben yo même qui tape taclé sous dossier assassinat Jovenel Moïse là. Et trois gros autorités ça yo c'est ministre justice et sécurité publique là Rockefeller Vincent Renald Libéris qui c'est secrétaire général conseil ministre avec Maître Bedford Claude qui c'est commissaire gouvernement AI Port-au-Prince là donc il révoqué yo pour insubordination. Donc trois messieurs ça yo donc yo pas respecté premier ministre Ariel Henry qui c'est chef yo donc bataille là li a continué. Journée Madia, ministre justice et sécurité publique là qui révoquait a et ben monsieur lui-même était dans bureau même gens avec Maître Bedford Claude qui c'est commissaire gouvernement AI Port-au-Prince qui révoquait donc monsieur tout était dans bureau donc des monsieur ça yo mettait ensemble avec ministre justice là lui-même tout donc yo mettait ensemble n'a parlé de Maître Bedford Claude avec Rockefeller Vincent. Eh bien, ils ont mis une interdiction de départ derrière Premier ministre Ariel Henry pour ne pas quitter le pays d'Haïti. Donc, l'autre gros mézi, ils prend. Donc, le commissaire gouvernement a révoqué. Donc, Bedford Claude, eh bien, il prend l'autre mézi contre Premier ministre Ariel Henry qui est chef li. Donc li prend ça y aurait un réquisitoire supplétif et d'informer donc li voyel by juge d'instruction cap travail sous dossier assassinat Jovenel Moïse là donc juge Gary Aurélien côté Bedford Claude commissaire gouvernement à Port-au-Prince qui révoqué a mandé eh bien pour juge Gary Aurélien à partir nouveau donné li gagné. Eh bien, pour les capables, eh bien, li dit, li ouais, eh bien, situation, li grave en pile dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là, avec rapport au gagné de questions et compagnie d'Issel qui dit, eh bien, dans le cas de rapport, yo, question écoute, yo, eh bien, yote tende, yote, gagné intercepté appel de monsieur, yo, à savoir, et Premier ministre Ariel Henry avec Joseph Félix Badiou qui ont même été communiqué bon 4 heures matin et donc après assassinat président Jovenel Moïse. Et dans ce sens ça eh bien juge donc commissaire gouvernement AI qui révoqué à Maître Bedford Claude li mandé Gary Aurélien qui c'est juge instruction qui a instruit à faire assassinat Jovenel Moïse là eh bien pour lui eh bien impliquer et donc Premier ministre Ariel Henry dans le cadre assassinat Jovenel Moïse là et en même temps li mandé directeur général immigration et émigration d'Haïti Joseph Chanchouli
pour donc demander, disons, pour interdire Premier ministre Ariel Henry quitter le pays d'Haïti. Donc, bataille là, li carré entre monsieur yo. Donc, toi, monsieur Sayo, qui a fait insubordination dans le pouvoir Ariel Henry, à savoir ministre Rockefeller Vincent, ministre Justice là, donc commissaire gouvernement à Port-au-Prestan, M. Bedford Claude, avec secrétaire général conseil ministre Renal Libéris. Donc, Premier ministre Ariel Henry, donc, lui repassé à l'action, journée Madia, côté, et bien, lui nommé, journée Madi, 14 septembre 2021, dans place commissaire gouvernement AIA Bedford Claude li révoqué journée 13 septembre qui passait à eh bien maître France Louis Juste li mettait dans place commissaire gouvernement AIA maître Bedford Claude. Donc c'est monsieur qui nouveau commissaire gouvernement AI Port-au-Prince. Mais ça premier ministre Ariel Henry dit dans lettre nomination monsieur France Louis Juste lui dit moins gagner avantage pour m'informer c'est ou même moins nommé comme commissaire gouvernement AI dans tribunal première instance Port-au-Prince. Donc lui dit décision ça lui entrer en application depuis au recevoir l'aide ça moins saluer patriotiquement docteur Ariel Henry qui c'est premier ministre. Maintenant, question en pile monde a posé, est-ce que commissaire gouvernement AIA, M. Bedford Claude, qui était dans le bureau, journée mardi, a capable de tourner dans le bureau, journée mercredi. Donc, personne monde pas connaît. Toujours dossier assassinat, Jovenel Moïse là, gagné, eh bien, juge d'instruction, Gary Aurélien, et donc, lui convoqué madame défunt Jovenel Moïse Martine Moïse journée Madia et bien pour le capable présenter dans cabinet d'instruction dans date 20 septembre cap venir là dans cadre instruction dossier assassinat Jovenel Moïse ancien président d'Haïti défunt donc qui c'est Marie et bien Martine Moïse qui lui-même te vivre gros événement ça. Jour 7 juillet a été assassiné président Jovenel Moïse dans Chamni la Kaili dans intimité. Donc là bien pour la répondre question juge Gary Aurélien dans date 20 septembre qui venir là d'après invitation juge Gary Aurélien voyez Bali journée et donc 14 septembre 2021. Entre-temps pendant et bien politique nan pouvoir a bataille entre yo pour qui est nan yo qui pi gwo chef et bien plusieurs dizaines partisans Jovenel Moïse était nan la ri Port-au-Prince journée madia yo était passé devant ministère la justice côté yo tal et bien monté tantio devant et donc résidence premier ministre nan Delma 60 Misso donc pour te continuer à kile Premier ministre Ariel Henry yo dit qu'il pas innocent nan assassinat Jovenel Moïse donc son façon pour demander justice pour Jovenel Moïse nous invite à suivre déclaration plusieurs yo communication que faire et bien Gisèle je dis à qui je vais un rôle pour nous Gisèle est important pour nous mais quatre combats à mener pour Jovenel joindre justice un petit matin bout qu'elle est là continuer travail là en responsabilité pas pour intimidation. Nous venons là devant Digicel pour nous remercier Digicel. Nous Digicel merci parce qu'elle commence à faire bonjour lumière sous enquête président, sous enquête assassinat président de la République là. Et nous demandons Digicel tout pour lui laguer toute communication voice côté Ariel Henry a comploté pour assassiner le président de la République là. Et nous demandons tout secteur dans le pays là. L'ambiance a connu la mobilisation révolution pour le fait. Je dis à nous dire depuis 86. Tout le monde a fait le pays, il fait son jeunesse là. Je dis à Bagué à quoi a fait son jeunesse là. Bagué à quoi a fait son justice pour le président de la République là. Si vous êtes Julio, depuis 86, qu'a fait Julio le pays, nous disons que ça n'a pas passé. Le président de la République a fait une justice lui. Merci la presse. Et nous disons merci avec Jigicel pour que je dis à qui te permettre nous jouer coupable. Et nous disons continuer à retracer l'appel. Nous avons assassiné Jovenel Moïse. C'est une raison qui fait Josiane faire match ça pour nous venir là. Pour nous dire Gisèle, je dis à si l'on servi le pays qui a servi le football. Retracer tout le monde qui a fait pays à mal, qui a fait pays à bien, nous qui a assassiné le président de la République. Et ça qui nous a dit dans le jour qu'a vendredi, il y a bien pour aller, et bien c'est l'officiel premier ministre.
pour nous dire que nous-mêmes nous venons chercher, étant donné qu'il est en paix en bas, pour nous répondre à une question devant le commissaire gouvernement qui c'est Belfort. Et nous dit Belfort, nous avons dit justice, il va mettre le paix, population à Bel, parce que faut être qui coupable, répondre à une question devant la justice. Parce que monsieur sont traite lié. Sont traite monsieur. Et c'est pas celle monsieur qui est. Et qu'on va arriver. Prochainement là, la va saisir ça. Sous bon paio, partisans, anciens opposition, tout, yo même tout, yo te planté piquet yo devant ancien opposition qui yo même actuellement nan pouvoir nan kad akosa avec premier ministre Ariel Henry. Et bien partisans, ancien opposition ça, yo même tout était dans la ria. Côté yote planté piquet yo devant ministère de la justice et sécurité publique pour mander libération prisonniers politiques yo avec tout mander Rockefeller Vincent qui c'est ministre justice révoqué a pour le résigner quitter ministère de la justice là après premier ministre Ariel Henry te fin révoqué en date 13 septembre passé a pour insubordination donc parce qu'elle pas respecté chef li militant yo di c'est lui-même ministre Rockefeller Vincent ministre justice là qui kembe prisonnier politique yo nan prison malgré assassinat Jovenel Moïse qui lui-même te mette monsieur Sayo nan prison pour position politique yo. Nous invitons sur déclaration plusieurs nan militant yo. Comment les avoir réglé les dossiers politiques, ils sont pressés. Pourtant, on est là, et nous, messieurs, on est en prison. Qui est en prison, ils ne disent pas rien pour eux. C'est ça que fait nous-mêmes militants. Nous prenons des destins dans la main. Pour te dire, nous ne pas abandonner. Est-ce qu'elle va abandonner? Non! Nous ne pouvons pas abandonner les prisonniers politiques. C'est ça que fait. Nous chanter. Libérer. Prisonniers politiques. Je tiens, nous venons demander libération des prisonniers politiques. Parce que Jovenel Moïse a commencé à se criminel. Nous donnons des droits à Green Neck à demander justice pour Jovenel. Justice pour Jovenel pendant que Jovenel fait massacre à Saline. Il a demandé justice pour Jovenel pendant que Jovenel fait massacre à Delay. Jovenel Pouillé et Grégory Sétilé Frem dans l'école normale. L'homme finit l'école normale en tant que représentant de l'école normale. C'est Grégory qui est remplacé en tant que représentant de l'école normale. Est-ce que nous avons accepté ça? Pour ne pas demander justice pour les gens qui mourent dans la manifestation, pour ne pas demander justice pour les prisonniers politiques qui ont violé les droits, pour ne pas demander pour les gens. Justice pour chef gang, pour assassin, pour criminel. C'est ça que nous dit tout temps qu'il n'y a pas la guerre, n'a pas devant le ministère. Tout temps qu'il n'y a pas la guerre, n'a pas devant le ministère. C'est qui a tout dit, maman, c'est pas grave. Quand vous comprenez, moi je fais les messages, on fait les ministères pour cœur.
Toujours information qui a un rapport avec la crise politique là dans le pays d'Haïti. Il y a un même accord protocole entente nationale là qui a un tinon peine. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée et Madia, donc il a déclaré qu'il a toujours campé derrière Akosa qui prévoit pour gagner dans le pays là, un gouvernement à deux têtes qui gagne un président avec un premier ministre parce que, mais disons, Jean Constitution pays a demandé ça. Parce que yo di yo seul premier ministre pas capable diriger pays a pour compte li. Marie Denise Claude qui lui même parlé nan non pendant li dit eh ben li pou yon disons yon accord représentatif mais côté tout monde capable la dans pour wete pays a nan Katibombe li trouvel pour kounia. Nous invitons aussi déclaration Marie Denise Claude. Jodi an pays a traversé une situation extrêmement difficile. Côté que nous avons plusieurs groupes d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui réunissent pour chercher des solutions. Nous connaissons, même dans le protocole d'entente nationale, là, le 9 juillet, pour te proposer à la nation une solution que nous pouvons être capables de tirer nous ensemble. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver. Mettez en place une proposition de proposer à la nation. Mais il faut nous reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Et que je dis bien que ça n'a pas cherché. N'a pas cherché pour un compte inclusif côté haïtien, haïtienne, capable de mettre ensemble pour proposer un bagage applicable vraiment, un accord applicable à la nation. Mais nous-mêmes, nous peine, je dis à tout dirigeant Pelio, nous voulons faire contre la nation en connaître. Nous étions debout, maintenant là, il debout et il était avec même préoccupation. Maintenant, campé pour dire que nous là, nous avons travaillé pour nous mettre comment nous capables d'établir nos exécutifs bicéphales dans le pays. Hein? Parce que c'est important, nous pensons que dans sa situation pays et là, je dis, nous avons besoin d'un chef de l'exécutif qui sont président, nous avons besoin d'un premier ministre. Mais pour nous arriver là, mesdames, messieurs, nous pensons que nous devons gagner un accord inclusif, qui est en pile monde là-dedans, mais nous avons cherché à s'attarder au consensus suffisant. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campons avec Edition Information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'est des amis Frère Met Info qui t'a servi. Nous cassons rendez-vous demain, même la même chaîne. Si papa bon dit longtemps. À bientôt.